Faire se croiser sur un même site deux publics, celui du cinéma et du théâtre. Voici l'ambition du centre culturel des Jacobins. Un centre qui ouvrira ses portes très prochainement. L'heure est donc aux derniers aménagements. Dans la partie théâtre, on finalise l'installation des fauteuils, 830 au total. Face à eux, la scène pour une programmation très large. On a fait le choix d'un système de projection acoustique, justement assisté par ordinateur, qui va permettre d'accueillir à la fois de l'opéra, de la voix portée, des ensembles orchestraux. Tous les spectacles ici sont très différents, qui méritent et qui nécessitent une acoustique particulière. Une fosse d'orchestre accueillera une soixantaine de musiciens et se refermera grâce à un plateau amovible pour agrandir la scène. Ce vaste volume où les acteurs pourront déambuler, courir, danser et où toutes sortes de décors pourront prendre place dans les 17 mètres de hauteur. Des accès techniques sont là tout autour de nous, trois jeux de passerelles et puis un jeu de portants et de cordes pour faire apparaître les décors dans le volume. Des espaces de restauration et de détente seront accessibles au public avant et après les représentations. Le tout avec vue sur la cathédrale. Dans l'aile gauche du centre, on finalise également les revêtements, les peintures et pose de dernières parois. C'est ici que prendra place le cinéma. Et parmi les 11 salles que propose le complexe, il en est une qui devrait se démarquer grâce à son système de son Dolby Atmos. Dans ce genre de salle, vous allez pouvoir voir, entendre plutôt, le son vous arrivez de tous les côtés. Dans une salle de cinéma classique, quand vous avez un hélicoptère qui survole une scène d'action, vous l'entendez soit sur les côtés, soit derrière. Aujourd'hui, ce même hélicoptère, vous pourrez le situer à l'intérieur de cette salle, tellement le son est précis, soit sur le côté, soit derrière vous, soit en avançant au-dessus de vous. En France, seulement 6 cinémas proposent cette immersion sonore. D'ailleurs, les prochains Spider-Man, Godzilla, X-Men seront programmés dans cette salle. Quant à la première séance, elle devrait avoir lieu mercredi 23 avril.